Ricard, bonjour. Ton numéro d'entrée, c'est quoi? Pour belle, ça? Numéro de graphe, s'il te plaît. Test de gaz, c'est bon? Avais-tu de l'eau dans le PA? Et sédiments dans le fond? Bienvenue, bonne journée. Ben moi, c'était un problème d'usure au niveau des hanches. Disons, j'ai eu de l'usure suite à l'ouvrage. Je faisais beaucoup de sport, puis j'ai eu une usure prématurée suite à ça. Puis là, ben les hanches n'étaient plus fonctionnelles. J'avais beaucoup de douleurs, j'avais plus de position, j'étais plus capable d'être assis, debout, couché. Fait que suite à ça, ils ont pris la décision de m'opérer. Puis, j'ai eu des complications avec la hanche droite plus la hanche gauche. Mais suite à ça, ben, j'ai été obligé de passer une expertise de perte de capacité fonctionnelle. J'étais à ce moment-là technicien de câble, réparateur de câble. J'aurais pu encore occuper ce poste-là, sauf que j'aurais eu encore l'usure prématurée, puis il y avait des dangers. Monter dans des échelles suite à une opération de la hanche, c'est pas conseillé. Parce que c'est quand même une prothèse, c'est une béquille, dans le fond, c'est pas naturel. Puis s'il arrive un problème, puis je tombe, ben là, l'os s'il brise, tu peux pas refaire une opération de la hanche pendant 10 fois. Là. L'os, il vient qui s'atrophie, puis à force de sortir puis rentrer une prothèse, l'os peut briser, puis après ça, il n'y a plus moyen de faire quelque chose de... autrement dit, de potable. Quand j'ai soumis mon cas au syndicat, suite aux assurances que j'avais eues, rendu au mois de mai, je tombais sur les avantages à longue durée. Puis j'ai eu un entretien avec Alain Paradis, qui se trouve à être vice-président de notre section locale. Puis là, j'avais soumis ma demande comme quoi que je ne pouvais plus occuper le poste que je faisais auparavant. Lui a fait des démarches avec la compagnie, avec les relations de travail, en fonction de trouver un emploi que je pouvais faire. Puis j'ai quand même encore des restrictions. Je ne peux pas être assis pendant une journée complète, je suis obligé de me lever. Puis ça, l'employeur il était conscient de ça. Puis il m'a permis d'occuper un emploi et continuer à servir la compagnie Bell de façon meilleure que je pouvais. Là. L'emploi consiste à répondre au téléphone aux techniciens extérieurs. Ça lui prend un numéro d'entrée et un numéro de sortie pour produit de sécurité. Ça fait à peu près 6 mois que je fais cet emploi-là. Luc, c'est un technicien du réseau extérieur, un réparateur de câbles. Je vous dirais que c'est probablement la job la plus physique qu'il y a chez Bell Canada. C'est une job qui est assez difficile à faire. On voit que Luc, il a la shape pour cette job-là. Malheureusement, il a eu sa condition personnelle, a fait en sorte qu'il a fallu qu'il y ait deux opérations. Il y a eu une première opération qui faisait en sorte qu'il ne pouvait plus faire le travail qu'il faisait au réseau extérieur. Donc aujourd'hui, il est accommodé dans un travail de bureau qui lui plaît bien. Puis, ayant déjà fait le travail de réparateur de câbles, le travail qu'il fait aujourd'hui, c'est de donner le service à ces mêmes réparateurs de câbles-là. Donc en même temps, le côté qui est bonifié pour l'employeur là-dedans, c'est que le monsieur peut même donner de la formation aux gens avec qui il a à interagir à l'extérieur parce que, de par l'expérience qu'il a sur le réseau extérieur, il peut dépanner beaucoup de monde. L'implication de la section locale, ça se fait assez rapidement parce que, évidemment, ces gens-là sont nerveux, ils savent pas trop vers quoi ils s'en vont avec ça, ils ont-tu un maintien au niveau de leur emploi, au niveau de leur salaire, ces choses-là. Fait qu'ils nous appellent assez rapidement à la section locale pour nous informer qu'ils ont des conditions maintenant qui font en sorte qu'ils ne peuvent plus faire le travail qu'ils faisaient auparavant. C'est évident que pour la réinsertion au travail ou de l'accommodation ou l'introduction au travail, il y a des lois qui existent. On sait qu'il y a beaucoup de lois en vertu des droits de la personne au niveau de l'accommodement raisonnable. Par contre, au niveau de l'obligation de l'employeur, au niveau des clauses de convention, du salaire et ces choses-là, bien évidemment, il n'y a rien dans la loi qui est spécifié là-dessus. Donc, de là toute l'importance d'avoir des clauses de convention pour protéger justement les conditions de travail des gens quand on a à les réinsérer au travail. À partir du moment où tu as une clause de convention, c'est quelque chose qui est négocié avec l'employeur, c'est quelque chose sur lequel on s'est entendu ensemble, qu'on a balisé ensemble et qui fait en sorte que c'est respecté par les deux parties. Non? Au niveau de la compagnie, dans le moment, on a une très, très bonne entente là-dessus. Je vous dirais, moi, personnellement, ça fait 20 ans que je fais du mouvement, je suis dans le mouvement syndical. Ça fait 20 ans que je fais des dossiers d'accommodation. On en fait
deux, trois par année, je vous dirais facilement. Puis on n'a jamais eu l'impossibilité de relocaliser quelqu'un, si vous voulez, en 20 ans. Là, moi, j'ai réellement pas eu de problème avec ça. L'employeur, l'ouverture est là. Puis je pense qu'en quelque part, comme je disais tantôt, ils ont beaucoup à gagner là-dedans aussi. L'expertise des gens, tu veux la garder. Là, je veux dire, si tu veux former les nouveaux arrivés, bien, en quelque part, ça te prend du monde qui a déjà fait le travail. Les pourparlers, généralement, là, dans tous les dossiers, même dans le cas de M. Gladue, ils débutent à partir du moment où le groupe qui est responsable de la gestion des invalidités nous confirme qu'un employé a des limitations fonctionnelles permanentes et qu'il ne peut plus occuper son emploi régulier. Il faut toujours regarder, évidemment, on a les limitations fonctionnelles de l'employé, ses restrictions médicales, et là, on se doit d'évaluer tous les postes potentiels qui pourraient rencontrer ces limitations fonctionnelles-là. Et à partir de ce moment-là, évidemment, ça prend un poste qui est vacant. On a toujours réaffecté les employés avec la clause 2214A qui est santé et handicap, ce qui facilite et qui élimine un petit peu les pertes de temps là, pour avoir un poste là, en général qui répond aux limitations fonctionnelles de l'employé. On travaille vraiment en collaboration avec l'employé, avec le syndicat, puis Bell Canada est prêt là, à aider les gens à se redéployer. Ça a belle allure. Un bon climat de travail ici. Mes confrères de travail, mes consoeurs, c'est bien plaisant. On a du plaisir.